Zombie apocalypse. Allez les amis, info Bretagne, info locale, on perd pas de temps, on va aller à Quimper les amis. Quimper pour l'histoire de la cracheuse du manoir. Oh, ça fait peur. Eh oui, vendredi soir, Yvan Lapince, susnommé le crabe, organisait dans son manoir une technoparade clandestine avec plus de 160 décibels. Chut, alors, on n'imagine pas trop, mais 160 décibels, je peux vous dire, ça envoie de la patate, les amis. Il paraît que les voitures garées sur le parking en tremblent encore. C'était vendredi soir. Il a utilisé ses pinces pour faire le contact. Il a utilisé des pinces croco. Voilà. Zombie apocalypse. Vers 23h30, les amis, bah les voisins, ils en ont eu marre. Et les voisins, c'est pas n'importe qui, puisque c'est une maison de retraite qui allait juste à côté de son manoir. Oh bah. Voilà, avec plus de 200 personnes âgées atteintes en plus du Covid-19, du coronavirus, les amis. Pas de chance. Pas de chance. Donc, et puis, non seulement ils sont malades, ils n'arrivent pas à respirer, mais ils doivent subir le son de Yvan et de son manoir. Voilà, c'était le bazar. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les voisins? Ils ont appelé les gendarmes. Les gendarmes ont débarqué au manoir, les amis, bah, pour baisser le volume. Mmh. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme enragée leur saute dessus, les insulte et leur crache au visage en disant « J'ai le virus !» Oh là là, sans masque, sans rien. Ouais, sans masque, sans rien, sans gêne, sans les gants. Donc franchement, violent. Donc les gendarmes, hein, pas fou. Donc ben, ils ont mis les voiles, hein, voilà. Forcément, ils avaient pas peur. Ils avaient peur de, je veux dire, de se prendre le virus. Donc un drone du GIGN devrait intervenir normalement bientôt, hein, incessamment sous peu. On va essayer d'envoyer un drone pour chasser les gens, essayer de faire baisser ce volume. Parce que c'est donc bah, en attendant, bah, la fête continue, hein. Et puis voilà, c'est la fête. Hein. Zombie apocalypse. Ouh, ouh, ouh.